find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Salut, salut, on se retrouve pour la suite de mon haul journal C. Alors, où en étions-nous? Je vous avais pas montré, c'est les roses du coup, je vais vous les montrer quand même parce que ça mérite quand même d'être vu. Hein. Donc les rouges et les noirs, vous les connaissez parce que je les utilise déjà. Mais les violettes, je vais au moins vous en montrer une pour vous montrer le rendu quand même. Parce que c'est quelque chose, regardez. C'est trop beau, j'aime beaucoup. Et puis les bleus aussi, il faut que je vous les montre, au moins une de chaque. Parce que c'est pareil, j'ai repris toute la collection pareil que ça, mais les papillons. Regardez les bleus. Eh, franchement, c'est trop joli ou pas? J'adore, je suis fan. Donc du coup, voilà, je les ai toutes. Je suis super contente. J'ai pris toute la collecte. Je crois, c'est des papillons. Donc vous m'avez déjà vu utiliser les noirs. J'ai déjà les violets normalement aussi quelque part. Je les ai regroupés. Hein. Je suis en train de faire le rangement en même temps. Donc là vous avez les noirs. Je vous en montre au moins un. Vous avez 10 pièces hein, de chaque. Les noirs. Ah là il y a du noir et blanc. Regardez. Ils sont très beaux. Ou noir tout seul. Franchement ils sont canons. En noir. Je crois que je les avais pas en violet la dernière fois. Je sais plus. Les violets. Et le fond, vous pouvez l'utiliser aussi. Hein. Le fond est trop beau, regardez. Le fond du packaging est juste trop beau. Tout est beau jusqu'au packaging, quoi. Donc voilà, les rouges. Et les bleus. Alors, j'attends quelqu'un. Donc, si elle arrive en temps, je vous mettrai en stop et puis je reprendrai la vidéo plus tard. Hein. Et les bleus. Franchement, ils sont trop beaux. Parce que je veux pas faire ma vidéo la même vite. Ça mérite d'être vu. Ils sont vraiment très belles, regardez. Des bleus différents. Franchement, trop, trop beaux. Il y en a 10 de chaque. Du plus du moyen au plus grand. Ils sont beaux. Hein. Ah, ils sont vraiment très beaux. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc ça, j'ai déjà dû en ouvrir un paquet là-bas. Mais c'est dans les autres teintes. Ouais, là-bas, c'était, je sais pas, ou alors c'est les mêmes, je sais pas. Regardez, hein, c'était ceux-là. Vous vous rappelez? Mais je crois pas que ce soit les mêmes. Non, c'est pas les mêmes teintes. Vous voyez? Ils sont trop belles. Bon, c'est très sombre. Tout ce que moi je scrape, tout ce que j'aime, c'est mon style. Et je suis bien contente d'avoir mon style. C'est très joli. Ouais, c'est pas du tout les mêmes. Ouais. Ah, si, ils sont beaux. Et j'ai une autre tout comme ça, d'autres. Oui, ceux-là. Et ceux-là, manifestement, c'est les mêmes. Ceux-là, ceux-là. Et c'est tout. Voilà. En fait, j'ai pris... quand la collection me plaisait, je crois que j'ai pris toute la collection. C'est pas compliqué. Quand la collection me plaisait, je les ai tous pris. C'est ça que j'ai fait. Je m'en rappelle. J'ai fait toute la collection. Alors,
Du coup, j'ai pris cela. Alors, ce sera dans le même style, mais ouais, c'est pas encore les mêmes, vous voyez. C'est pas encore les mêmes. J'adore. J'adore. Là, c'est que des lanternes. C'est pour ça, ça change. Que des lanternes. Elles sont belles. Elles sont trop belles, les lanternes. C'est trop beau. Là, ce sont que les lanternes. Là-bas, c'était des femmes, un peu plus des femmes. Là, c'est des lanternes. Ah, je vais pouvoir bien faire des trucs comme j'aime. Là, c'est que des fleurs, j'ai l'impression. Là, je vais le garder pour Halloween, je pense. Parce qu'il y a des têtes de citrouille. Il y a déjà que lanterne. Cela, regardez-moi cette beauté. Alors, attendez. Parce que celui-là, il s'est un peu plié. Les vases avec les roses noires. Non, mais je sais, ça va pas plaire à tout le monde, mais en même temps, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, hein, comme dirait l'autre. Chacun son style. Chacun, heureusement, j'ai envie de dire. Chacun a son style et ça c'est top et c'est ça qui est riche dans notre loisir et créatif, c'est que on scrape pas tous la même chose. Regardez ça, c'est sombre, ce que c'est, c'est très sombre, mais c'est tout ce que moi j'aime. Là, c'est les vases. Il m'en reste deux. Donc là-bas, c'était les lanternes. J'ai eu les vases, j'ai eu les femmes. Là, je ne sais pas du tout ce que ça va être. Les sorcières. Tout ça, ça va être pour Halloween. Quand je vais faire du art collage au moment d'Halloween, ça va être topissime. Je vais avoir tout ce qu'il faut. Parce que j'avais rien jusque-là, vous voyez. Mais pour scraper au moment d'Halloween, ne serait-ce que faire mais un jour un collage pour Halloween, eh ben j'aurai tout bien. Tout ce qu'il me faut. Alors je sais, c'est un univers assez particulier, mais moi j'aime bien. On va pas se refaire. J'aime bien tout ce qui est fantasy, tout ce qui est voilà. Et celui-ci, alors celui-là c'est tous les jack-o'-lanternes, donc on va faire ça, ce sera au moment d'Halloween, c'est ce que je vous disais. Oupsi, regardez. Le chat noir avec les jack-o'-lanternes est trop beau. Halloween. J'aime beaucoup. J'adore. C'est top. Pour Halloween, tout ça. Alors, toutes les sorcières, les machins et trucs, je vais les mettre de côté. Et je vais faire dans ma boîte, là, dans la boîte de journal C. Je vais essayer de les ranger par thème. Comme ça, je retrouverai beaucoup plus facilement.
J'ai ressorti ce que j'avais eu la fois d'avant. Comme ça, j'ai tout classé et tout. Ensuite, là, ça, vous les connaissez déjà. J'ai pris les roses. Là, j'ai pris les tournesols. Magnifique. Trop beau. Donc vous en avez deux de chaque. Là, vous avez des papillons juste extraordinaires aussi. Regardez, holographique à souhait. 20 pièces, donc 10 papillons de chaque. Il y a 10 papillons et 10 papillons de chaque. Voilà, trop beau. Comment ça fait? Je sais pas si ça rend, si ça leur rend justice à la caméra, mais honnêtement, ils sont canons. Ensuite. Les pellicules, j'ai continué, j'ai pris toute la collection. Là, c'est avec les papillons, là, c'est avec les fleurs, mais c'est pareil, c'est encore des trucs de pellicules. Ils sont où les autres? Je les ai mis. Voyez, là, il y a son, là, il y a avec des fleurs. Là, il y a avec des papillons et là, il y a avec des autres fleurs. Donc, voilà, j'ai pris toute la collection. Ensuite, du coup, on revient à ça. D'accord. Je vais vous les montrer. Vous voyez, c'est comme les autres, sauf que c'est en vert. Donc, oui, je vais pas vous les sortir. C'est encore la même chose, mais en vert. Là, il y a du muguet. Et ben, ce sera pour l'année prochaine. Hein, parce que là, moi, je ne pourrais pas scraper ça. Ou alors, je le ferai en rentrant. Je ferai peut-être un jour un collage sur le muguet. Peut-être quand je rentrerai. Un peu de... Mais... Donc, peut-être que j'aurai le temps de scraper sur le thème du muguet. Donc là, muguet... Là, c'est du bleu. Là, c'est du vintage. Là, encore du vintage. Et là, vous avez dans les teintes roses. OK? Ici, vous avez des pots de fleurs. Avec des hortensias, tout ce que j'aime beaucoup, tout ce que j'aime beaucoup. Là encore du muguet. Et ils sont holographiques, vous voyez, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, je sais pas si vous voyez bien, mais ils sont holographiques, ils sont super bien. Il y en a encore dans les sachets, mais je vous les ai sortis les autres. Donc voilà, vous avez déjà, là vous avez des vases vides. Donc je trouve ça très joli. Holographique comme ça, c'est à... C'est trop, c'est une merveille.
Ensuite, j'ai ça. Alors ça, moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir commandé ça. Donc, je pense que ça, ils doivent nous le mettre en cadeau. C'est des papiers avec des fleurs. Ça peut servir. Mais moi, j'ai pas commandé ça. Donc, je pense que c'est un truc qu'ils mettent en cadeau dedans. Parce que ça, je l'ai pas commandé, c'est certain. Donc, il y a... Je sais pas combien de fleurs, feuilles. Un certain nombre. Avec plein de fleurs. Ok. Ensuite, j'ai pris deux paquets. Donc, c'est les mêmes. Des stickers étiquettes. Voilà. Donc, vous en avez des translucides, transparentes comme ça, ou des noirs. Ils sont plutôt sympas. Je vais pas vous ouvrir les deux, c'est les deux mêmes. J'adore. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, je sais pas trop bien ce que ça veut dire. Mais, en fait, c'est pas trop ce qui m'intéresse. C'est pas trop ce qui m'intéressait, en fait. M'intéressait le plus, c'était d'avoir plein de d'étiquettes comme ça pour pouvoir coller, et les transparentes comme ça sont plutôt sympas aussi. Voilà, alors là j'ai pas pris toute la collection parce qu'il y en avait plein, il y avait toutes les couleurs, et noir, il y avait transparent, il y avait rose, il y avait bleu, il y avait tout ça, mais moi je suis restée dans mes couleurs, hein, donc le noir est... Par contre j'espère que c'est autocollant ou pas, peut-être, je sais pas du tout. Stickers, donc à mon avis, et il y a 40 pièces, donc à mon avis c'est stickers, c'est autocollant. Donc on va essayer de les remettre correctement. Parce que je voudrais bien ne pas les abîmer, n'est-ce pas? Sachant que moi je le couperai peut-être hein, en 2, en 4, en 12, en fonction de la longueur du centimètre, enfin de la phrase. Bon après, peut-être que ça ne voudra plus rien dire, donc on verra. On verra. On fera peut-être Google Traduction sur la sur l'étiquette pour savoir ce que ça veut dire avant de couper, quoi. Donc ça. Et après, c'est que des washi. En dernier, ce que j'ai pris, c'est que des washi. Alors du coup, je vais vous faire gagner ce petit lot là. Je l'ai pas ouvert, c'est le bleu. Je l'ai pas ouvert. Donc je vais vous le faire gagner. Vous mettez en commentaire bon séjour à La Rochelle, j'aurai compris. Voilà. Et puis ben voilà, ce sera pour vous. Du coup, et vous avez, on est quoi aujourd'hui? Mardi. D'ailleurs, mardi, on est mardi, donc du coup, il faut que je fasse le tirage au sort de l'autre. Mardi, ben, je vous donne jusqu'à... Ben, moi, je rentre jeudi. Alors, on est mardi... On est combien? On est mardi, mais on est mardi combien? On est mardi 23. Donc jusqu'au... Ben franchement, jusqu'au 2 mai, je ferai le tirage le 3 quand je rentrerai. Voilà. Donc jusqu'au 2 mai, vous avez en commentaire, vous mettez bon séjour à La Rochelle. Et je vous ferai gagner celui-là. Ça, je mets de côté. Et pour finir, j'ai pris les washi. Donc j'ai pris toute la collection de ceux-là, déjà. Et j'ai pris ici, c'est des poupettes. Donc je vais pas les dérouler, hein, pour être honnête. Des poupettes. Des poupettes là. Et ici, c'est pareil, c'est encore des poupettes. Mais juste au niveau de la taille. Ça m'embête, mais je vais peut-être pas les ouvrir. De toute façon, je n'arriverai pas. Ils sont bien emballés, donc voilà. Donc j'ai pris celui-là. Moi, vous les verrez quand je les utiliserai. Vous avez celui-là. Je vais essayer d'en ouvrir au moins un. Non, j'y arrive pas, c'est tout bien emballé. Attendez. Voilà. Et comment ils m'ont mis ça? Bon, il n'y en a pas beaucoup sur le rouleau. Mais quand même plus que sur celui de chez Temu.
voyez, là c'est les fées, elles sont trop belles. Je sais pas si vous voyez bien. C'est des fées, elles sont trop jolies. Donc là vous avez les fées en vert. Et c'est pour ça que je ne vais pas les dérouler, parce qu'elle est reroulée, après c'est la galère. Donc je vous en ai déroulé un pour vous montrer à peu près ce que ça allait donner. Là vous avez pareil, dans le même style, les fées dans les violets, dans les noirs. Je suis restée cohérente avec moi-même. Dans les jaunes, orangés. Là c'est les deux poupettes que je vous ai montrées. Dans les bleus. Et dans les roses, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce haul de Miu méga haul vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.